Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bienvenue dans ce temps d'offrande du matin. Bienvenue dans ce temps, dans ce rendez-vous des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui ont soif de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont désespérés comme Anne. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce que ce matin, que ce moment soit pour toi. Que ce moment puisse réjouir ton cœur. Que ce moment soit pour notre Seigneur. Parce que nous voulons nous effacer et lui laisser toute la place afin qu'il puisse diriger toutes les choses. Que ce temps soit pour toi, ô Père. Nous voulons rentrer dans le Saint des Saints. Nous voulons rentrer dans ta présence. Là où tu es, si tu peux commencer à te disposer, à rentrer dans la présence de Dieu, rentre en toi-même afin de commencer à prier. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, prier en langue, afin de rendre grâce à notre Dieu. Rendre d'excellence, action des grâces. Quand tu pries en langue, tu es en train de rendre à Dieu le Père d'excellente action des grâces. J'entre par le sang. J'entre par le sang, je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Est-ce que nous pouvons encore le dire? J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. Je rentre pour honorer Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. On dit j'entre maintenant, j'entre. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre pour le sang de Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? J'entre dans le Saint des Saints. Je
je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Ah oui, j'entre. J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi. Je rentre pour honorer Jésus. Bien-aimé, ce matin, rentre dans la présence de Dieu. Rentre et ferme la porte. Parce que il veut que tu puisses avoir ce temps d'intimité avec lui. Alors, fais tout de manière à enlever toutes sortes de distractions. Le Seigneur veut que tu puisses lui parler seul à seul. Fais comme si tu es seul. Fais comme si tu te retrouves seul. Ah, tu es dans une pièce. Ah, fais abstraction de tout ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il faut que tu rentres en toi-même et que tu te présentes devant lui. Rentre, il est là, ton Père est là, il veut te parler aujourd'hui, il veut te parler, c'est pour cela il faut que tu sois concentré, bref, il faut enlever toute forme de distraction, parce qu'il faut rester focalisé, c'est pour cela, nous prenons le temps de manière à chacun d'entre nous, que chacun puisse rentrer dans la présence de Dieu, c'est ce que nous désirons. Ah, si tu viens dans sa présence et que tu ne le rencontres pas, ah, tu as perdu ton temps parce que tu dois le rencontrer. Quand tu le rencontres, alors tu es changé, transformé, métamorphosé. Tu ne pourras pas sortir de cette rencontre quand tu es rentré. C'est pour cela que nous prenons le temps. Est-ce que nous pouvons encore dire J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. À ce matin, j'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. À ce matin, j'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Ah, Seigneur, oh oui, je t'adore. Ah, ce matin, je veux t'adorer, Seigneur, je veux m'humilier, je m'abandonne devant ta face ce matin. Je reconnais ma vulnérabilité ce matin. Je veux
t'adorer, que tout en moi t'adore, que tout en moi se livre, que tout en moi s'abandonne, que tout en moi se livre, que tout en moi aïe un débauché des ba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 b
Prie ton Père qui est là. Il est là dans le lieu secret. Il est là. Il est là pour te parler. Il te voit, il voit la disposition de ton cœur. Alors ne fais pas semblant. Ne sois pas déconnecté. Oh, pense à lui seul. Pense, sois concentré. Que tes yeux soient fixés vers Jésus le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ah, bien-aimé, ne sois pas distrait ce matin, sois focalisé. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais le plus important, tu dois savoir, arrive jusque dans le lieu secret. Ça veut dire entre en toi-même. Il faut que l'adoration que tu fasses, que tu fais monter, soit faite en esprit et en vérité. Il faut que cette adoration soit faite en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire qu'il faut que ça soit conduit par lui. Ah, il faut que ça soit lui qui dirige. Il faut que ça soit lui qui prenne le relais et qui commence à t'amener. Ah, ce n'est pas par tes propres forces. Efforce-toi à rentrer dans le repos. Parce que c'est lui qui va prendre le relais. Tu te reposes de tes œuvres. C'est lui qui prend le relais. C'est lui qui va commencer. Il prend le volant. Il va te conduire. Il va t'amener. Il va te faire monter dans les hauteurs. Ah, dans la montagne sainte. Parce que Akabashanda, il veut t'amener à l'endroit où ce qu'on appelle la maison de prière. La maison de prière est à la montagne. Comme nous avons vu hier, la maison de prière est à la montagne. Parce qu'il a dit, ma maison, ça sera appelée la maison de prière. Mais pour arriver là-bas, alors il est en train de te dire, sois focalisé, ne sois pas comme des hypocrites. Ah, sois concentré. Allez, mon chat. Aïe, tu peux. Oh, oui. Allez, oui. T'adore. Oh, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oh, oui, Seigneur. Oh, oui, je. Ah, Seigneur, ce matin, je m'humilie. Est-ce que tu es en train d'adorer? T'adore. Ce n'est pas chanter, mais c'est adorer. C'est oui, adorer. Je... Ça veut dire que tu rentres, tu te livres totalement. Ah, Seigneur, regarde, nos cœurs sont à toi. Je... Ah, regarde, nos vies se prosternent. T'adore. Regarde, ma vie se prosterne devant toi. Tout en moi se prosterne devant toi. Tout en moi se livre totalement. Ah Seigneur, je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas être ailleurs. Non, je ne veux pas être ailleurs. Amène-moi jusqu'à la maison de prière. Amène-moi jusqu'à la maison de prière. Amène-moi jusqu'à la maison de prière. Je t'adore, je t'adore, ah, je t'adore, Seigneur, Seigneur, ah, ce matin, je t'adore, ah, je t'adore, ah, je t'adore, Seigneur, Seigneur. Ah, ce matin, je t'adore, je t'adore. Ah, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore.
je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, 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 je t'adore. Caïn la gauche et les bas. Seigneur. Ah, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, Seigneur. Cadet Bochin de Baya, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur. Bien-aimé, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, viens dans sa présence. La porte s'ouvre. Bien-aimé, un jour, je me suis posé la question, quand cette parole se dit, viens rentrer dans la chambre, là où le Père est là. Je me suis posé la question, mais cette porte-là, comment ça s'ouvre cette porte? Est-ce que c'est moi qui l'ouvre ou bien la porte s'ouvre automatiquement? Bien-aimé, je ne sais pas si tu saisis. C'est comme une porte scanner, une porte aussi qui scanne le cœur, une porte qui scanne le cœur. Tu viens, tu te présentes devant la porte, là où, dans la chambre, là où Dieu est, et tu arrives. Et la porte va s'ouvrir ou ne va pas s'ouvrir. C'est comme par le passé, il y avait des émissions ici en France, où les gens cherchaient à se retrouver, et il y avait le rideau qui les séparait. Et quand tu arrivais, et l'autre donnait son aval, alors le rideau se retirait, et vous pouvez vous retrouver. C'est la même image que j'ai. C'est la même image. Ce n'est pas toi qui ouvres la porte, qui rentre dans le lieu secret. Non, c'est la porte qui s'ouvre en fonction de ta disposition du cœur, en fonction de toi. Alors, c'est pour cela, Dieu ne permet pas quiconque venir dans sa maison, dans sa chambre, avec une quelconque disposition du cœur. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, et reste là. Stop, ôte tes souliers. Car ce lieu est un lieu saint. Quand tu rentres dans la chambre, c'est un lieu saint. Alors tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu dois prendre conscience qu'il est saint, saint et saint. Alors, quand ton cœur est scanné, on voit, est-ce que tu as un cœur disposé, sincère, honnête? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu le désires vraiment? Est-ce que tu veux vraiment le voir? Ah, c'est ça qui te donne accès ou pas dans la chambre. Rentre dans ta chambre, ton Dieu est là. Mais cette chambre pour entrer, ah, il faut avoir la bonne disposition du cœur. Il faut que tu sois sincère, sois vrai ce matin, sois vrai. Fais tomber le masque, fais tomber le masque, parce qu'il veut te rencontrer, il veut te parler, parce que quand tu es là, quand tu arrives, alors, il y a un deuxième défi qui se présente. Ah, tu dois rester, tu dois demeurer, tu dois persévérer. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres pensées pour sortir. Parce que dès que tu es à l'intérieur, ce n'est pas fini, ce n'est pas un acquis de rentrer. Ton cœur disposé te permet l'accès dans la présence de Dieu. Mais après, tout au long de ce moment, tu dois rester, tu dois persévérer. Il a dit, Abraham, reste devant ma face. Et sois intègre. Ah, je te multiplierai. Il y a d'abondantes des grâces qui veulent déverser dans ta vie. Alors, tu dois rester, tu dois demeurer. Ça ne suffit pas de rentrer, mais il faut demeurer. Ça veut dire que tu dois rester focalisé. Ah, sinon, tu sors. Sinon, il y aura quelque chose qui va te faire sortir.
C'est pour cela, quand nous rentrons, prends le temps de rentrer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois rentrer pour le rencontrer. C'est pour cela, nous disons, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh Seigneur, Seigneur, à ce matin je t'adore, je t'adore. À ce matin je t'adore. À ce matin je t'adore. Oh oui, Seigneur, Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire je me livre? Je me lis, je me lis, je me lis, je me lis, je me lis. Ah, Jésus, Jésus. Ah, je me livre, Jésus, je me lis. Oh, je me lis, je me lis. Oh, je me lis, je me lis. Oh oui, Jésus, Jésus. Ah, accorde-moi la grâce de te rentrer. Je me lis. Regarde mon cœur, j'ai la volonté, je me lis. Mais je n'ai pas la capacité. Ah, fais-moi, je me lis. Fais-moi me tenir dans ta présence. Et je veux demeurer dans ta présence. Ah, il y a des beaux chiens. Regarde mon cœur, regarde mon cœur. Mon cœur, tu se livres. Parce que je veux être, je veux rester devant toi, devant toi, dans la présence de mon Dieu. Ah, il y a des beaux chiens. Parce que je veux me focaliser, je veux me connecter. Quand je me connecte à toi, alors tu peux déverser sur moi. Alors, je reçois les pensées de Dieu. Je reçois ce qui est dans ton cœur. Je rentre dans le conseil secret de Dieu. Jésus. Ah, ce matin, je me lis. Je me lis. Aïe, aïe, bocha, bababa, bocha, bababa, bocha, je me lis. Taïda, bocha, baba, yanda, je me lis. Bon, bocha, bababa, bocha, bababa, Jésus. Élève-toi, élève la parole, élève la voix, élève la voix. Parle-lui, Seigneur, je élève là-bas, parle-lui, Seigneur, je me livre. Parle-lui, je m'abandonne, je te laisse. Oh, Kanderosha, tout ce qui n'est pas de toi qui m'empêche de pouvoir rentrer, je les mets à part, je les enlève, Yadabosha. Je me focalise, Seigneur, accorde-moi la grâce de rentrer dans ta présence. Accorde-moi la grâce de pouvoir te saisir. Accorde-moi la grâce de te tenir. Accorde-moi la grâce de demeurer avec toi. Non, je ne veux pas être ailleurs. Non. Non, je ne veux pas être ailleurs. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester, je vais passer du temps avec toi. Je vais passer du temps de qualité, le temps de qualité avec toi. Je veux tous les jours de ma vie entendre le son de ta voix. Je veux faire monter vers toi des offrandes sacrificielles. Oh, une offrande d'action des grâces, de reconnaissance, d'appréciation à ce matin. Oh, je suis là pour t'offrir. Oh, tout en moi s'offre en toi. Ah, que tout en moi s'offre en toi. Allez, proche. Je me lis. Je me lis. Je me lis. Je me lis. Jésus. Je me lis. Je me lis, ah, je me lis, je me lis, et les bouchers de Jésus. Bien-aimé, il a dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu, il regarde au cœur. C'est pour cela que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Parce que il faut que tous arrivent dans la chambre. Il faut que tous arrivent dans la chambre là où Dieu est. Ça veut dire qu'il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu montes juste
à la maison de prière. Il faut qu'il te fasse monter, parce que c'est lui qui va te faire monter. Quand tu es qualifié, comme nous avons dit tout à l'heure, ah, il te prend par la main, alors il te fait monter jusqu'à la maison de prière. Là où vous pouvez échanger, parler, là où tu peux intercéder efficacement, là où tu peux supplier, là où tu peux communiquer, échanger. Comme Abraham a pu négocier, comme Abraham parlait à Dieu, comme Moïse parlait face à face, bouche à bouche avec le Seigneur. Ah, c'est cette disposition du cœur que nous voulons, c'est ça, cette dimension que nous désirons, des la dimension là-haut. Ton père t'appelle ami, ami de Dieu, comme Abraham, ami, ami. Ah, il y a des brochets, la dimension des intimes, des intimes. Est-ce que tu veux être intime de lui? Est-ce que tu veux être intime? Est-ce que tu veux que ton Dieu puisse écouter et te parler? C'est dans le lieu secret, ça se fait. C'est dans le lieu secret. Accorde-nous la grâce, quand nous venons dans ta présence, de ne pas être distrait, mais d'être focalisé. Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu es en train de nous faire cet exercice spirituel ce matin, parce que souvent nous ne sommes pas. Alors nous venons dans la présence de Dieu, mais nous restons charnels, nous restons émotionnels, nous restons traditionnels. Ah, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sensations, ce n'est pas la chair. Non, c'est l'esprit. Ah, tu dois être spirituel parce qu'il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Oh, dans le lieu secret, il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Dans le lieu secret, il veut te parler, il veut te parler. Il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Ah, ce matin, il veut te parler. Ah, ce matin, il veut te parler. Ce matin, il veut te parler, il veut te parler, il veut te parler. Bien-aimé, il veut te parler. C'est pour cela, il t'emmène jusque dans ces lieux. Il t'emmène. Laisse-toi aller. Laisse-toi entraîner. Laisse-toi emmener. Et il t'emmène dans les profondes, dans les hauteurs. Dans les hauteurs, il t'emmène. Il veut te transporter dans sa gloire. Ah, laisse-toi monter. Ce matin, il veut te parler. Ce matin, il veut te parler. Alors dispose ton cœur. Il veut que tu puisses découvrir son cœur. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut que tu sois transformé. Transformé. Aïe, à la même image.
de gloire en gloire. Il veut t'emmener de gloire en gloire. Il veut que tu puisses manifester son caractère. Il veut te que tu sois comme l'image que tu es. Il veut te parler. L'empreinte, l'empreinte au Kadaboshana. Mais cette empreinte, cette vigie se manifeste parce que mon caractère doit suivre. Le caractère de Christ doit suivre. Alors, alors tiens-toi dans sa présence parce qu'il veut te parler, il veut te montrer, il veut te montrer ta vie. Aïe, 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 il veut te parler, ce matin il veut te parler, il veut te parler. Mais cette parole n'arrive pas à aller en profondeur jusqu'à la racine. Non, n'arrive pas à prendre racine pour que tu puisses être fort, pour que tu puisses être fort, solide, pour que la maison tienne, quel que soit le vent et marée, que tu résistes, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les persécutions, les tentations, quelles que soient les tribulations, que tu tiennes ferme.
Alors, il te dit, ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre ton cœur, il veut te guérir. Ouvre. Il veut guérir ton cœur. Ouvre. Afin que tu puisses avoir de nouveau un cœur malléable. Ouvre. Un cœur, oh, un cœur qui le reçoit. Un cœur qui le reçoit. Ouvre. Un cœur, oh, qui reçoit la parole. Et la parole demeure en profondeur et produit beaucoup de fruits. Ah, il est bon chez les bailleurs. Parce que ta vie, ta destinée est plus que ce que tu es en train de voir. Ta destinée est plus grande que ce que tu es en train de voir. Ah, ça dépend de l'état de ton cœur, de la disposition de ton cœur, de la disposition de ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ah, il est bon chez les bailleurs. Sois sensible à sa voix. Et dis quand tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Aïe, Adébo, le Seigneur te parle aujourd'hui. Ouvre ton cœur, sois malléable. Aïe, parce qu'il veut te parler. Il veut te montrer ce qu'il y a à faire. Il veut te montrer tout ce que tu as à accomplir. Et ta destinée est plus grande. Ta destinée est grande. Ah, pointe à l'horizon. Ta destinée pointe à l'horizon. Alors saisis, ah, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit, ouvre, tu es au bon endroit, ouvre, 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 ouvre. Ce matin, ouvre, ouvre, ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre, ton Dieu est là. Ouvre, ah, il dit, donne-moi ton cœur. Ouvre, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que je veux transformer ton cœur. Ouvre, je veux métamorphoser ton cœur. Ouvre, je veux te faire, te faire ouvre. Faire des espoirs. Avec moi, tu feras des espoirs. Ouvre. Avec moi, tu accompliras ta destinée. Ouvre. Avec moi, oh, tu verras les grandeurs. Ouvre. La grandeur de mon nom. Tu verras la splendeur. Ouvre. De ma présence. Aïe, à des rochers, laisse-moi. Ouvre. Ouvre ton cœur. Je suis là pour toi. Ouvre. Ouvre. Je ne me tairai pas. Ça veut dire que tous les jours, il te parle. Tous les jours, il envoie des paroles. Tous les jours, il fait tout pour que tu puisses recevoir à soi. Parce que c'est cette parole qui transforme. C'est cette parole qui te permet d'avoir des fondations solides. C'est ça qui te permet de pouvoir aller dans les profondeurs et d'être ferme, d'être enraciné et fondé dans son amour. Alors, il te parle tous les jours. Il te parle. Et il faut ouvrir son cœur afin de recevoir. Parce que c'est la parole qui donne le pouvoir exaucien, de devenir, de manifester la grandeur de ton roi, la grandeur de ton maître. C'est la parole de Dieu qui te permet de pouvoir accomplir des exploits. Il veut accomplir des exploits avec toi. Dieu peut laisser une situation se pourrir sur la terre. Il peut se laisser une situation s'il n'y a pas un intercesseur qui se lève. S'il n'y a pas de rançon. Il veut ouvrir, que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes d'être la rançon. Si tu es une rançon, alors avec toi, il va travailler. Avec toi, il va travailler. Parce qu'il faut que les desseins de Dieu s'accomplissent. Dans ce pays, là où tu es implanté, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es.
Parce que là où tu es, ah, il est capable de pouvoir frayer un chemin dans le désert. Ne regarde pas le désert, parce que tu as reçu la capacité avec le Seigneur, quel que soit l'endroit, de prospérer. Il a dit, tu prospéreras dans la campagne comme dans la ville. Ça veut dire, à chaque endroit, partout où tu iras, tu as reçu la grâce de prospérer. Tu prospéreras. Il a dit, tu seras béni à la campagne et dans la ville. Ça veut dire, partout, tu es béni. Parce qu'il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est à toi d'ouvrir ton cœur et de saisir toutes les grâces excellentes qu'il t'a données. Ah, c'est pour cela, ce matin, nous disons, ouvre, ouvre, ouvre ton cœur, ouvre, ah, ouvre ton cœur, ouvre, parce qu'il veut t'amener sur la montagne sainte. Il a dit, il veut te réjouir, ouvre, il veut que tu te réjouisses dans sa maison. Parce que c'est quelle joie de servir le Seigneur. Quelle joie, quel privilège de porter le fardeau de Dieu. Quel privilège de porter le fardeau de Dieu. Quel privilège de s'élever et d'intercéder, de supplier et de voir les desseins de Dieu arriver en manifestation. Ah, dans la maison de prière, il y a de la joie. Ah, dans la maison de prière, il y a de la joie. Il a dit dans Ésaïe 56, 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Il y a de la joie dans la maison de prière. Il y a de la joie. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ah, il y a des bouchons. Ça veut dire, quand tu entres, tu es dans la maison, tu combats avec Dieu. Tu combats, tu es en train de pouvoir intercéder afin d'amener le projet de Dieu arrive en manifestation. Et quand tu es en accord, quand Dieu exauce et manifeste, il y a la joie du Seigneur qui se répand. Parce que quand tu te lèves, Dieu se réjouit. Parce qu'il sait, il a trouvé une rançon. La personne qui permettra ses desseins s'accomplir. Et quand tu t'élèves et les desseins de Dieu s'accomplissent, alors il y a l'abondance de joie. Il y a l'abondance de joie parce que l'ennemi est vaincu. Ses plans, ses projets sont anéantis. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Il y a de la joie. Il y a l'abondance de joie dans la maison de prière. Parce que tu vois l'exaucement, tu vois la manifestation. Tu vois ce que le Seigneur a dit. Quand tu as prié, tu as intercédé avec une larme. Et quand tu vois le résultat, l'accouchement. C'est comme un homme, comme une femme enceinte. Il y a les douleurs d'enfantement. Mais quand l'enfant est arrivé, il y a de la joie. Il y a de la joie. C'est comme dans la maison de prière. Il y a de la joie. C'est pour cela qu'il a dit, ah, je les réjouirai dans ma maison de prière. Il a dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Ah, il y a des vaches. Ah, il faut que cette parole s'accomplisse dans ta vie. C'est pour cela qu'il te veut. Il veut que tu ouvres ton cœur parce que c'est là où il veut t'emmener. Il veut t'emmener. Il veut que tu travailles avec lui. Tu es co-ouvrier avec Christ afin de pouvoir prendre des territoires, prendre Massy, prendre Palaiseau et les villes environnantes. C'est pour cela qu'il a besoin de toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Ne reste pas. Ne reste pas là où tu es. Viens monter à la maison de prière, à la montagne sainte. Ouvre ton cœur à cet appel. Parce que le Seigneur cherche des intercesseurs, des supplicateurs, des pleureurs, des gens qui prient, qui crient à lui, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ah, c'est pour cela nous disons, ouvre, ouvre, ouvre ton cœur, ouvre. Car ton Dieu veut
parler. Ouvre. Car ton Dieu veut te montrer. Ouvre. Les projets de paix et non de malheur de ta vie. Ouvre. Les projets de paix et non de malheur de ton ouvre. Église. Les projets de paix et non de malheur de ton ouvre. Entreprise. Les projets de paix et non de malheur de ta famille. Ouvre. Parce que tout est planifié. Ouvre. Tout est préparé. Ouvre. Assois-toi docile et animé. Et Dieu ouvre. D'une bonne volonté. Obéis, ne lui résiste pas. Ouvre. Ne lui résiste pas. Ouvre. Ne lui résiste pas. Ouvre. Ouvre ton cœur. Ouvre. Ce matin, ouvre ton cœur. Ouvre. Allez, rocher, les babayas. Ouvre. Ouvre. Bien-aimé, il a dit dans Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le Seigneur t'envoie encore ce matin un ange. À travers la bouche de son serviteur, il est en train de te parler afin que tu puisses ouvrir ton cœur, parce qu'il veut t'emmener à l'endroit qu'il a déjà préparé. Il veut t'emmener pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ça veut dire Dieu sécurise le chemin. Reste sur les rails de sa volonté. Ah. Ne quitte pas le sentier de sa justice. Ne quitte pas le sentier de sa justice. Reste sur les rails de sa volonté. Parce que c'est lui-même qui te protège. C'est lui-même qui protège en chemin. Pour que tu puisses arriver au lieu que Dieu a préparé. Alors il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Respecte-le. Honore-le. Honore-le. Sois vigilant. Sois prudent. Sois sobre, ça veut dire veille. Sois sobre. Sois disposé. Sois focalisé. Fixe ton regard vers lui. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Honore sa présence. Il n'est pas n'importe qui vient. Il vient pour toi. Il vient pour t'emmener. Alors si tu n'obéis pas, il ne fera rien. Alors, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. C'est marqué, et écoute sa voix. Quand il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit, obéis, tu obéis. Quand il te dit, pardonne, tu pardonnes. Quand il te dit, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ne lui résiste point, parce que il ne pardonnera pas vos péchés. Le Saint-Esprit est un gentleman. Si tu ne veux pas te soumettre, il ne marche pas avec toi. Ah, il ne pardonnera pas. Ça veut dire que le pardon, c'est le péché, c'est amartial. Si tu décides de marcher dans l'injustice, dans la transgression de la loi, dans l'iniquité, alors il ne te pardonnera pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas avec toi. Deux hommes marchent ensemble s'ils sont d'accord. Avec lui, il faut être au garde à vous. Il est venu pour celui qui se soumet. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre. L'ange
qui était venu voir Josué, qui était venu devant la bataille de Jéricho. Josué a discerné, ah, c'était un général de l'armée de l'Éternel qui était là. Et il a dit, je suis envoyé par le Seigneur. Mais je ne suis pas venu. Josué a posé la question, es-tu pour nous ou contre nous? Tu es venu pour nous ou pour nous? Il a dit, je suis venu. Je ne suis pas venu pour vous ou pour les autres, mais je suis venu pour l'Éternel. Ça veut dire pour accomplir les desseins de Dieu. Pour ceux qui vont rester derrière moi. Pour ceux qui vont obéir à la parole de Dieu. Pour ceux qui gardent la parole. L'ange peut venir. Et tu vois, il y a certaines personnes qui reçoivent des bénédictions, d'autres qui ne les reçoivent pas. Et pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Mais l'ange est là. Attendez, bon chaya. Il y en a qui reçoivent, d'autres qui ne reçoivent pas. Est-ce que tu te soumets? Comment tu te comportes devant lui? Est-ce que tu te tiens sur tes gardes? Est-ce que tu lui résistes? Tu lui résistes? Ne lui résiste pas. Écoute-le, écoute sa voix. Quand il est en train de te parler, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il a à te dire. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ah, c'est lui qui te fera rentrer dans le lieu qu'il a déjà préparé. Prends conscience de ça. Alors ce matin, c'est pour cela le Seigneur te dit, ouvre, ouvre, ouvre. Ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre, parce qu'il veut te parler. Ouvre, parce qu'il veut te montrer. Ouvre, les desseins. Il veut te montrer les projets de paix et non de malheur. Il veut te montrer, ah, dans ta maison. Il veut te montrer pour tes enfants. Ah, il y a des roches, ton épouse, ton foyer, ton mariage. Il veut te montrer. Il veut te parler, te conseiller afin de ne pas quitter la trajectoire, de rester sur le chemin. Alors, tiens-toi sur tes gardes, ouvre ton cœur, parce qu'il est là. Il est venu pour les gens qui sont dociles, qui sont animés d'une bonne volonté, et qui se soumettent. Ah, y'a des roches, ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre. Élève la voix, t'as des roches. Élève la voix. Élève la voix, dis-lui. Ah, à partir d'aujourd'hui, je décide de pouvoir me soumettre. Je décide de m'humilier. Je décide de t'obéir. Je décide d'être docile. Je décide. Viens le mettre. Fais un engagement devant le Seigneur. Engage-toi ce matin. Engage-toi. Un nouvel engagement. Un engagement. Décide de t'engager. Décide ce matin de t'engager. De te tenir sur tes gardes. De l'écouter. De ne plus lui résister. Parce que c'est une nouvelle saison. Une saison d'abondance. Une saison où le jour s'est levé. La saison du matin, comme va prophétiser notre apôtre Ivan. Ah, il y a des roches. Le matin, c'est la saison du matin. Alors tu vas voir la manifestation de ce qui a été annoncé. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Et là, tu verras. Alors, élève la voix pour rendre grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce pour. Rends grâce. Réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi en espérance. Parce que quand Dieu envoie une parole, il te montre là où tu dois être. Il te montre là où tu dois opérer. À quelle dimension tu dois opérer. Alors rends grâce parce que ta destinée est glorieuse. Rends grâce parce que il te veut dans les hauteurs. Et il te veut dans les profondeurs. Pour comprendre sa parole, pour garder sa parole, et dans les hauteurs, pour demeurer dans sa présence. Rends grâce, élève la voix, rends grâce pour ce temps que le Seigneur a conduit. Et débauché des mains, élève la voix, rends grâce à Dieu.
Merci Seigneur, merci pour ce temps que tu as conduit, merci pour tout ce que tu as donné. Tu nous as fait rentrer dans le sein de saint et nous sommes rentrés, tu nous as parlé. Tu nous as parlé d'ouvrir nos cœurs parce que tu veux faire des grandes choses dans nos vies. Tu veux accomplir des exploits et tu veux nous faire des exploits. Alors merci Seigneur pour ce que tu as libéré encore ce matin. Parce que tu nous as fait grâce de nous tenir une heure dans ta présence. Nous sommes reconnaissants. Merci Père pour tout ce que tu fais, pour ce que tu bâtis, parce que tu construis nos vies au quotidien. Chaque matin, tu as une parole pour nous. Chaque matin, tu donnes une orientation divine. Chaque matin, tu nous fais du bien. Alors c'est pour cela que nous pouvons te dire simplement merci. Ah, est-ce que tu peux dire merci? Merci. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que tu as libéré ce matin, merci pour ta présence qui nous a fait du bien, parce que c'est toi qui nous a conduit, merci parce que c'est toi qui nous a parlé, merci parce que c'est toi qui nous merci, merci Seigneur pour mon frère, merci pour ma sœur qui est venu intercéder, se tenir dans ta merci, présence, se tenir à la brèche, afin d'être merci, transformé, parce que nous devons prendre ce pays, merci, et les villes environnantes. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour cette famille spirituelle, merci pour nos pères. Apôtre Yves, pour l'enseignement que nous recevons toutes les semaines, merci. Accorde-nous la grâce de persévérer dans les enseignements des apôtres, merci. Afin de pouvoir être propulsés dans notre destinée. Merci. À toi qui fais toutes les choses à merveille, alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur, que l'amour de notre Dieu, et la communion du Saint-Esprit sur notre partage dès maintenant et à jamais, partout où nous sommes, merci. Que nous puissions rayonner, que nous puissions être des véhicules qui transportent ta gloire, que nous puissions manifester merci. Ce que tu as dit aujourd'hui. À toi l'honneur, à toi la puissance, merci. À toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons merci. Ainsi prié avec action de grâce. Avec révérence merci. Et avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si le Seigneur t'a fait du bien, est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, 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 acclame. Lui qui nous a parlé encore ce matin, merci Seigneur. Toi qui nous as permis d'être continuer dans ta présence. À toi, l'amour de nos vies, le rocher de notre Seigneur, le bouclier de notre foi, le berger de nos âmes, toi, mon roi, mon maître, mon tout, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi célébré, adoré, prié. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière, l'offrande du matin. Et nous vous disons excellente journée dans la présence de Dieu. Rendez-vous ce soir pour la masterclass d'affermissement avec le pasteur Serge. Le thème, c'est la puissance du sacrifice dans le service. Soyons présents. Et nous serons richement bénis ce soir. Ne me ratons pas. Soyons présents ce soir, dès 19h30, pour ce moment, pour honorer la personne que le Seigneur ici a envoyée. Le grand frère, un témoignage vivant, pasteur Serge. C'est une grâce de le recevoir. Soyons présents, soyons nombreux pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Alors, excellente journée de la présence de Dieu et je vous dis peace, au revoir.